Salutations, bienvenue dans cette vidéo. Bon, comme tu l'as vu, ça reste la vieille intro. Bon, bah, j'ai pas fini ma vidéo totale, du coup je vous ai fait deux vidéos. Donc vous avez pour la dernière fois l'intro avec le Renault Féroce. Mais là, on va continuer sur l'extérieur du Scania. Mais avant tout ça, je voulais vous montrer, il y a eu un petit peu de changement ici. Donc tu vois, par rapport à la semaine dernière, là, si tu te rappelles, j'avais une grosse plaque. Je peux ouvrir mon frigo, tu vois. J'ai rebidouillé ça comme ça, j'ai remis mon équerre comme ça, dérivé, pop. Donc ça, c'est aimanté. Donc tu vois, ce qui fait qu'il me reste ma plaque ici que je laisse. Et voilà, je remets ça comme ça. Et je peux ouvrir mon frigo. Donc c'est vraiment serré, ça frotte un tout petit peu. Mais je peux ouvrir le frigo. Donc, Donc tu vois, je viens de casser la gueule au pain. Moi, je te laisse pour la suite de la vidéo en extérieur. C'est parti. Bon, voilà les stations. Jour 2 pour moi. Pour vous, c'est la suite des événements. Donc là, on va se retrouver en extérieur. On va aller voir la bête. Allez, go. Toujours. Pas de chaussures. Bon, là, il est dégueulasse. On a fait du cross ensemble. Voilà, c'est un Scania super. Donc, il est tout simple, basique, tout simple. Tu vois, il est plastique noir, gris, blanc. C'est un truc tout simple. Donc là, pour me reconnaître actuellement, vous avez que ça. Hein, et c'est ça que je vous disais, regardez-moi ça. Il a un beau cucu. Donc voilà, les rétro noirs. Donc moi, à l'origine, mon chef m'avait dit que c'était un tout blanc comme celui que j'avais avant. Mais en fin de compte, ils ont du mal s'entendre avec le commercial. J'ai quand même les trompes, les gyrophares LED en haut. Il y a du vent, chef. Et donc, je suis équipé ADR avec la plaque qui se retourne, tu vois. J'ai aucun déflecteur. Et voilà mon chibre. Mon chibre avant était jaune, il est rouge. Donc c'est la marque d'Albi, voilà. C'est ça. Toute neuve l'auto, j'ai moins d'options que l'autre. J'ai moins d'options car tu vois, sur l'autre, sur le Renault, j'avais l'option qui le bras se pliait comme ça. Là, je ne l'ai pas du coup. C'est la seule option que j'ai en moins par rapport au Renault. Et bien sûr, j'ai moins de roues. Tu vois, j'ai un pont moteur. Tu vois comment il a fait du cross ce machin? Truc de ouf, hein. Le bouillon hier et un essieu releveur directeur. Donc voilà, j'ai un réservoir un peu plus grand que le Renault, mais vu qu'il consomme moins, j'ai dû faire mon plein cette semaine. J'étais à 30% ou 20% du truc. Là, je dois être à 30%. J'ai 1100 km de fait. Donc par rapport au Renault, ça va être plus mieux, on va dire. Ça va être plus mieux sur le gasoil parce qu'avant, il fallait que je fasse pratiquement tous les jours si je roulais dur. Tous les deux jours, si ça roulait moins, tous les jours, fallait que je fasse du gasoil. Donc voilà. Là, des blues, c'est pareil, ça doit être un gros réservoir. J'ai dû mettre 70 litres et j'étais à 20%. Il me restait 20%. Donc ça doit être un gros réservoir. C'est pareil, il m'annonce 2000 km avec la des blues, je suis tranquille. Ça, j'ai des gouttières comme ça. Donc là, j'en ai deux. Sur le Renault, j'en avais qu'une seule pour pouvoir mettre mes filettes. Voilà. Donc là, j'en ai mis deux. Du coup, c'est plus simple parce qu'après, on va aller voir. J'ai plus de place même en extérieur par rapport au Renault. Ça, c'est un tuyau. Tu vois bien, c'est un tuyau, c'est une gouttière. C'est un tuyau parce qu'on a des clients. Chez le client que je suis actuellement, on pose des bennes et dans le fond des bennes, il faut qu'on mette une bâche géotextile pour pas que la matière colle. Je vais vous faire voir parce qu'il s'ouvre de l'autre côté. Donc voilà, j'ai les extincteurs ici. Donc c'est tout simple, des ailes en alustrié, ça fait sympa ça. J'ai l'impression que ça vole moins. Enfin bref, alustrié, je suis équipé en feu, ampoule. Et mes branchements sont ici. Tous mes branchements sont ici. Sur le Renault, je l'avais un peu là et un peu là. Donc là, tout est ici. Je suis équipé de deux caméras. Donc la caméra qui est ici, c'est celle qui est pour prendre mes caissons sur la belle-mère. La belle-mère, c'est toujours la même, tu vois. Elle prend de l'âge, mais elle se fait des jeunes, tu vois. Les jeunes chibres rouges. Et ça, c'est la caméra pour reculer, pour accrocher mon crochet de la belle-mère. Donc voilà, on va continuer. Donc j'ai des supports.
des supports outils quoi, de chaque côté. Là j'ai mon kit barre pour mes filets et là j'ai une pelle et un grattoir. Et là c'est pareil, tu vois, j'ai comme sur le Renault, j'avais deux griffes à l'arrière, donc là j'ai deux griffes à l'arrière aussi. On va aller voir celle de devant. Et toi ici, tu les as vues. J'en ai une ici. On va aller de l'autre côté. On va aller de l'autre côté, donc voilà. Donc ce que tu as vu dans la cabine, on va poser ça par là. J'essaierai de faire une vidéo un peu tranquillou. Un tranquillou à la maison. Donc là tu vois, c'est ça que je te dis. Hein. Tu dévisses ici. Ce que j'avais pas sur le Renault, si je l'avais, mais pas. Et toi, c'est une bâche qu'on met dedans. Quand on arrive chez les clients, il y a certains clients, ils le font eux-mêmes. Car ils sont équipés, mais d'autres, non, du coup. Du coup, c'est nous qu'on le fait. Donc là, on a la pompe, toi, c'est Dalby. Et ça a été monté par Hydro Service. C'est un carrossier sur Rennes qui nous monte tous nos bras, nos bras et la grue sur le fond mouvant. C'est comme ça. Putain, j'ai pas mes gants. Et donc tu vois ici, j'ai mis tous mes trucs ADR là-dedans, toutes mes plaques et ma valise. Ce qui fait que j'ai plus ça dans la cabine. C'est ce que j'avais dans le Renault avant, donc ça me prenait toute la place. J'avais plus pas de place du tout déjà. Donc voilà. Voilà les gars, la présentation extérieure du Scania. Va falloir lui trouver un petit nom. J'ai les spots à LED là. J'en ai deux là. J'en ai un ici là, toi. J'en ai un là et un de l'autre côté. J'en ai cinq en tout. Avant sur l'autre Scania, j'avais ça ici. J'avais un machin ici. Quand je reculais, ça, je voyais ici. Bon, après, on n'a plus besoin. Moi perso, j'ai plus besoin d'avoir un éclairage ici quoi, tu vois. Je vais plus en forêt, c'est assez clean quand même, même si c'est de la déchetterie serrée. Et pour les éclairages, je vous ai pas dit, tu vois, j'ai tout en LED sauf, j'ai pas tout du coup, donc j'ai les pleins phares là en haut, au milieu, en bas j'ai les anti-brouillards LED, mais par contre tout ce qui est code et phare ici, parce que tu as toujours une en code, je sais plus si c'est code ici, phare ici, c'est ampoule. Bon, c'est un peu con parce que c'est presque tout full LED devant. Il manquait deux ampoules pour faire un full LED et les clignotants. Eh, c'est pas moi qui choisis, hein. Moi, du moment que ma fiche de paye, ça change pas que j'ai du boulot, c'est parfait. Donc là aussi, à l'avenir, on va s'installer. Je suis en train de réfléchir pour savoir où je vais mettre ça. La CB. On va se mettre la Cibiche, toujours la Cibiche, la Cibiche. Voilà les stations. Moi je suis à côté de Tours, tu vois là. Il commence à venir de l'eau. Et ben on va se rentrer en cabine. On va se faire une petite conclusion des stations. Bon, voilà les stations. J'ai oublié de vous dire une chose très importante quand même. C'est la puissance. La puissance du port de Havre. Mais non, la puissance du Scania. Donc le Scania, c'est un 460 chevaux. Et comme je vous disais tout à l'heure, que j'avais fait mon plein et que j'étais à 20%, ça n'a rien à voir du coup, parce que j'ai refait mon plein, j'ai mis à zéro. Tu vois, je suis à 1300 km, 1310 exactement, et il me reste 13%. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable de rouler, de ne pas courir les stations, parce que tu vois, là, la Deblue, il me dit qu'il est à 85%, 85%, et il me reste 1500 km. À faire. Et tu vois là, le 130 km, il me reste 13% exactement, donc ça me ferait du 1400 km avec un plein vraiment à plat quoi, vraiment à plat. Donc toi, 10%, on n'est pas trop mal. Déjà 1300 km avec un plein, ça aurait été Renault Féroce, j'en aurais déjà fait deux. Il m'aurait fallu que j'en fasse deux déjà quasiment, donc c'est vraiment pas mal. Bon allez, on continue, mais bon, on avance pas bien vite parce que regarde, je vois, si tu vois pas. Et devant, il y a des fabricants d'heures. Le vendredi, il y a des fabricants d'heures. Regarde. 84, c'est la vitesse maximum depuis une demi-heure. Et les patelins, c'est 30 km/h. Tout à l'heure, 60, là, on s'est retombé. Bon, bah bref, c'est comme ça. Il y a des fabricants d'heures du vendredi qui veulent valider leur semaine complète pour dire qu'ils font des heures. Enfin, bref, nous, ça nous fait chier. Alors voilà les stations, c'est la fin de cette vidéo, donc maintenant vous savez à quoi ressemble mon camion, donc il est blanc, gris et noir, vous avez un visuel, donc là,
Prochaine vidéo, promis, juré, je vous fais la nouvelle intro. Moi, je vous dis à tato, kenavo. Bye.